Aujourd'hui, je vous emmène visiter le village de Carbonnières. Donc, c'est un village qui date du XIIIe siècle. On est à peu près à la période du Moyen-Âge. Et c'est un village qui est aujourd'hui abandonné. Et on va essayer de découvrir ensemble pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit topo historique pour un petit peu vous mettre le contexte. Donc, Carbonnières fait partie d'un castrum. Un castrum, pour vous expliquer ça de façon très simpliste, et sûrement que les amateurs d'histoire ont un petit peu grincé des dents, il s'agit d'un village fortifié, donc un village en capacité de se défendre. Et faisant partie de ce castrum, on a deux superbes tours, qui sont pour ainsi dire le clou du spectacle, vraiment ce qui est reconnaissable à Carbonnières. Au XIIIe siècle, sur le castrum de Carbonnières, on a une co-seigneurie, c'est-à-dire que vivent au même endroit deux familles de seigneurs. Donc on a d'un côté la famille de Carbonnières, sans grande surprise, et de l'autre la famille de Montal. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le village de Carbonnières est un village qui est lié autour de Merle, qui sont beaucoup plus connus et qui sont non loin d'ici. À l'époque, c'était relié par un chemin qui est aujourd'hui transformé en randonnée et qui se fait appeler le chemin de Merlin. Donc on se trouve devant la dernière maison qui fut construite à Carbonnières, c'est la maison de Barbouze. Elle a été construite en 1624. À l'intérieur, on peut encore y voir,
entre autres, hein, un évier en pierre et une cheminée, une très belle cheminée taillée. En 1906 jusqu'en 1936, il y avait encore 4 habitations occupées à Carbonnières. Et c'est en 1948 que le village a été complètement abandonné. Je me trouve au pied de la tour sud. Donc c'était une tour qui avait une vocation résidentielle. C'est là qu'habitaient les seigneurs. Elle s'organisait sur 4 niveaux et elle possédait un petit peu plus d'ouverture, tandis que l'autre tour, qui avait une vocation de défense, elle était divisée qu'en 3 niveaux et avait beaucoup moins d'ouverture. Aujourd'hui, la végétation a pris le pas sur les prairies et sur tout ce que l'homme avait pu construire. Mais pourquoi ? Pourquoi ce village a-t-il été abandonné ? Une vieille légende raconte que le village fut frappé par la lèpre. À cette époque, vivait le seigneur Bertrand de Carbonnières, jeune châtelain. Une belle jeune femme arriva au village. Elle s'appelait Katharina. Le seigneur en tomba tout de suite amoureux. C'était une jeune femme mystérieuse. Elle connaissait les plantes qui guérissent. Elle savait où les ramasser et quand les ramasser. Elle réussit à soigner la lèpre, mais également les fièvres, les bêtes malades, et elle accouchait même les femmes. Mais les villageois, jaloux, firent courir le bruit qu'elle était une sorcière et qu'elle avait pactisé avec le diable pour connaître aussi bien les plantes. Et cette rumeur grossit tant que le châtelain ne put l'étouffer. Et bientôt, les villageois
organisèrent une chasse aux sorcières. Un triste soir, Katharina fut capturée et massacrée. Le jeune Bertrand, fou de chagrin et d'amour, s'enferma dans la tour. Des pleurs et des gémissements retentirent de longues nuits durant. On dit que le village fut maudit et que les villageois finirent par le déserter, emmenant au creux de leur chair la honte de cet acte cruel. J'espère que cette petite visite vous a plu et que la petite histoire vous aura fait voyager dans le temps. À plus !